Premier point, c'est COVID-19 là, gestion calamiteuse et affreuse, honteuse, qui fait de lui-même. Et dans 2 mois, 55 millions de dollars gagotés. Donc c'est l'ingénieur Lambert qui va parler des points ça. Deuxième point, c'est mafia OEA, mais la mafia Baba ici, Ronnie Deroche, qui a annoncé 2022. Alors que l'article 134 là, peuple haïtien Lille, il a compris ni. Il a dit c'est 7 février 2021. Et troisième point, c'est Didier Benel qui a parlé de deuxième point. Troisième point, c'est fin mandat, tout magistrat, tout maire. 12 juin 2020, tout magistrat a rentré la caille. Maintenant, il y a un processus qui a commencé. Deuxième lundi, janvier 2020. Et le processus, ça, il peut le close, il peut le fermer. 7 février 2021. Qui processus lié? Deuxième lundi 2020, 50e législature a rentré la CAILI. 2 tiers dans le Sénat a rentré la CAILI. 12 juin 2020, tout magistrat a rentré la CAILI. 7 février 2021, Jovenel Moïse, nous avons continué la CAILI a rentré. Nous avons continué notre pénitentiaire nationale a rentré. Mais le peuple sous pouvoir. Et ça, le peuple a clair la donne. Alliance peuple clair la donne. Gagner un processus qui est entamé. Côté la Jovenel Moïse, il a fait monter commission pour remplacer tout magistrat. L'électeur de peuple a dit pour mettre en place un magistrat aujourd'hui, à part agent intérimaire, 7 février, on met un valet. Pour négocier avec magistrat, pour y rester au café magistrat, convertir magistrat en agent intérimaire. Des gens de la population, te faire confiance, ils ont élu comme magistrat. Aujourd'hui, on va entrer dans la dynamique, tête en bas ça. Pour y aller acquis à cause Jovenel, à cause PHTK, pour y ériger comme agent intérimaire. Donc nous-mêmes nous disons, si on est rentré dans la dynamique ça, mais à la nègre méchant, à la nègre criminel, pour que Jodia, papa ici va tout le monde pour le compter. Si on est voté comme magistrat, élu, et qu'on y a pour d'accord pour ériger comme rester avec pouvoir, pour aller défendre cause nègre, dans le gabji à faire, dans le cabinet fond l'État, n'a gaspillé l'argent, n'a gestion malsaine que nous y là. Donc nous-mêmes nous quoi, l'alliance PEP, 12 juin 2020, mandat tout magistrat fini. Et nous allons entamer un processus. Nous dit que Gengi de Doua Pierre, qui c'est président FENAM, alliance PEP parle écrit FENAM, pour nous demander l'explication sur qui tu as parlé ça. Nous avons des magistrats, nous considérons comme magistrats que nous. Nous parlons écrit en personne. Sauf pour un magistrat comme Ronnie Collin. Ronnie Collin, tout le monde le représente pour nous. Surtout dans la presse et dans la bataille d'opposition. N'a pas écrit. Nous pas écrit magistrat à Kaya. Rosemila Petit Frère. Nous pas écrit pour expliquer nous ça. Nous pas écrit Yuri Chevry. Nous pas écrit pour nous demander pour expliquer nous ça. Nous avons tout ouvert by Julien Edouard Pierre pour l'expliquer nous. Parce que nous avons la chanson chantage dans la radio. C'est lui qui a remplacé lui. Parole ça, nous va comprendre, c'est parole qui a cherché job, c'est parole qui a cherché manger. Donc, on peut placer vote comme magistrat, mandat fini, rentrer la caoutchouc, tant de prochaines élections, et peuple a pris voter encore. Donc, nous clair sur ça. Et pour 2021, il y a une commission largement large, alliance peut proposer à la nation, qui pour Chita, parler avec tout secteur dans la vie nationale, qui pour faciliter passation de pouvoir, 7 février 2021. 7 février 2021, pas de route, pas bois, pas de discussion. Il y a un juge qui a sorti dans la cour de cassation et qui a prêté serment. Pas pour investir le 7 février 2021 comme président du pays. Donc ça, nous-mêmes, nous clair. Et c'est route ça qui est tracé. Et tout le monde songe qui bataille, qui mène. Donc, nous passons Didier Benel pour l'autre point. Merci. Les populations. Hein? Constitution 1987, là, c'est 22e constitution qui votait dans le pays. Et première élection libre, honnête et démocratique, constitution ça t'a pas le faire. C'est élection que Eta Pascal Touyo t'a pas le faire, qui t'a pas le mener Jean-Bertrand Aristide au pouvoir le 7 mai, le 7 février 1991. Pas oublier après 7 mois, Aristide t'a pas le perdu pouvoir, côté qu'elle t'a pas en exil, il t'a pas le tourner en 1994. Et l'elle tourner en 1994, pas oublier il fait seulement un an
5 mois au pouvoir parce que vous avez estimé le dégât en fait 7 mois déjà et 3 ans qu'il était fait en exil là, vous avez estimé que c'est un mandat pas là qu'il fait. Et bien, je dis en clair, nous, la population, n'a pas gagné pour l'ébranler, n'a pas gagné pour qu'elle casse. L'Eldande, c'est des petits fatras dans l'OEA, son petit fatras dans le Coronie de Roche, qui ont un petit boutique qui est l'ISC, qui est Naoum Dorville, qui est en tête comme coordonnateur. Pas bien, je dis, Naoum Dorville, c'est le palais national qui est comme secrétaire général, qui travaille avec Jovenel Moïse. Et bien, je dis en clair, il y a un paquet de barrières dans le pays, il faut que le peuple la connaisse. Je dis en Coronie de Roche, nous considérons comme un nègre dans boutique à capoter boîte, parce que ce n'est pas lui-même qui est chef de l'ISC. Parce qu'elle parle dans l'élection, c'est Naoum Dorville qui sortit dans l'élection. Après Naoum Dorville sortit dans l'élection et puis laisse alimenter Ronnie De Roche comme secrétaire général, ça veut dire comme moun qui là qui pour porter boîte en dans boutique là. Et on a dit peuple là pas occupé ni ti boutique OEA qui cap travail pour les États-Unis, pas occupé ni ti boutique Ronnie De Roche gagne avec Naoum Dorville là. Moun ça là ou parler, yo pas gagne assez de moralité pour parler en dans société. Et le peuple a dit qui ça? Peuple a dit tout autant. Procès Petro-Caribé, tout autant, procès des Malogues, massacre La Saline, massacre Belé, massacre Tokyo, massacre Kafoufei, et dernier massacre qui sont fait là, pendant la fête des mers, dans le week-end qui sont passé dernièrement là. Et bien tout autant, ça n'a pas fait en dans le pays, élection pas possible en dans le pays. Et ceci, tout autant, pas une conférence nationale qui fait en dans le pays. Et je dis, nous, les nègres montent au pouvoir, les fin prennent investiture, nègres là, laisse ça pas bon pour lui dans la constitution 87, à l'idou dans la constitution amendée. Laisse ça pas bon pour lui dans amendée, à l'idou dans la 87. Ça veut dire faut que nous connaissions, quelle que soit l'élection qui va le faire dans le pays, quel que soit le monde qui va arriver comme chef dans le pays, il faut que nous connaissions sous qui égide la constitution que le pays a lui-même la fonctionné. Elle dit aujourd'hui en clair, population en clair, 9 juin qui a venu là, mardi 9 juin qui a venu là, Alliance PEP invite la presse, dans le cas où aéroport côté que nous pourrons battre ténèbres, depuis le faire midi, quel que soit côté et la caillou, sous volant machine ou sous moto, sous motocyclette kotoya, dans marché kotoya, quel que soit sac nan mon, frappel depuis le fait midi bang pour nous commencer battre ténèbres qui pral déboucher sous une manifestation générale, mobilisation générale dans tout pays a côté que pour nous commencer bataille jusqu'à ce que pour nous capable déboulonner Jovenel Moïse en tête palais national. Jodi an, même petit exercice que nous faisons avec le peuple, côté que pour nous montrer, nous disons quel qu'on soit le monde, côté où il y a, allié article 134 dans la Constitution, quel qu'on soit côté où il y a, allié décret électoral, là, qui c'est cadre légal qui te fait élection 2015. Là. Pas oublier que privé pas de vine fond élection. Privé te vine finou processus électoral qui te commencé déjà. Je dis, ou même qui l'a caillou, les gens PHTK qu'on a parlé avec nous, dis-nous, Lavala fait 20 ans au pouvoir. Mandez comment Lavala fait 20 ans au pouvoir. Parce que 2004 a réussi à quitter le pouvoir. Boniface Vigny a fait 2 ans là-dedans. Mandez sur qui base yo dit qu'il a réussi à faire 20 ans. Si yo même y a considéré que c'est 3 ans, mais nous même nous dit, Jovenel gagne 4 ans. Et 7 février 2021, mandat Jovenel fini. Et quel qu'on soit contre dans le pays, comment se préparer nous pour nous flitter le pays? Comment se préparer nous? Comment se débourrer la caillou? Mettez tout le bagage dehors la caillou. Pour flitter en dans caillou parce que pour nous capable mettre virus ça yo cap sous ces sans nous pour nous capable mettre au dehors en dans pays. Eh bien nous même au niveau de l'alliance peuple nous clair sur ça et magistrat yo mandat yo clair constitutionnellement mandat constitution yo gagnan la fini 12 juin cap fini cap arriver là. Ça dit quelqu'un soit qui va transformer terre tout en allié PHTK c'est assumer responsabilité. Et m'a salué tout citoyen conséquent qui croit que c'est un accident de parcours qui fait un monde capable de gagner à la magistrature supérieure. Sweet Mickey comme président et Jodia, un ministre président ça, que nous qualifions de incapable, de incohérent, de incompétent, de inquiétant, de ingénieur et de inculpé à la fois. Maintenant, nous avons signalé 3 phases importantes dans la gestion COVID-19. Nous avons dit première phase là, c'est la phase méchanceté, deuxième là, ignorance. Et troisième, qui s'efface corruption, hein? Pendant que nous allons faire radiographie, deux porteurs de messages sur Covid, qui premier, qui c'est Jovenel Moïse, qui n'a peut-être clairement connaît niveau. Niveau d'acidité population ensemble avec lui, côté que lui clair dans tête que son rejet du peuple haïtien, ont révoqué de la nation haïtienne. Donc, on va regarder avec quel empressement le 19 mars, côté que Livine Poté discours COVID-19 là,
croyant que l'État capable de soulever le peuple automatiquement à un refus d'application de mesures. Ça qui t'a conduit vers un hécatombe. Malheureusement, c'est bien compté, mal calculé. La population haïtienne dans son population intelligente. C'est vrai que le pacte des jeunes, mais entre-temps, il profite tout pour le protéger tête. Ce qui fait jusqu'à présent l'écarter de hécatombe que Jovenel t'a fait, premièrement lui-même, et deuxièmement, à travers le fameux Saint-Sénadaire, pauvre diable, qui bénéficiait de la perception populaire, de réputation faite, de technicien de terrain, qui, dans sa folie, pas regrette perdu un seul matin, pendant que l'engagé a partagé avec Jovenel Moïse le fameux fardeau de l'électrification 24/24. Et en deuxième lieu, et Nader, comme un chef magasin qui n'a jamais eu de reproche, pauvre diable, il a transformé en tuyau le Jovenel Moïse, côté que l'Elta doit prendre connaissance de tout ça qu'il est capable de gagner comme chantier de l'avenir. Il dit devant la presse que Jovenel Moïse il quittait tout ça l'a fait pour la regarder, pour lui on rigole, pour la regarder, et tant on rigole. Donc ça montre nous clairement, c'est un sénateur, il en quelques minutes gaspillé réputation qu'il bénéficiait de la perception populaire. N'a pas dit, n'a pas regardé annonce que le journal La Noticia s'était fait pour dire que, et soi-disant autorité nous, acquisition qu'il a fait à ses demandes de charité, ou garder avec quelle complaisance, jusqu'à présent, ce ministre de président avec ses débris jouisseurs autour de lui-même, ouais, il n'a pas jamais érigé pour être capable de faire une réponse qui est capable de couvrir la nation. C'est ça que fait. Nous-mêmes, dans l'Alliance Peuple, nous jusqu'à présent prenons ça pour vrai. C'est peut-être ça. Nous travaillons sur un ensemble de mesures. Un ensemble de mesures, ça, que nous relais, retirer vos bouches, voler qui comprennent. Que y a patauger notre transition. Donc, nous proposons nous pour nous doter la nouvelle feuille de route de l'alternative populaire de feuille de route ça, ouais, qui pourra mettre en garde et puis qui pourra créer ça nous capable un climat de confiance entre la population qui jodi a qui croit que c'est retirer fort les mettre voler pour que jodi a nous capable faire le coude à coude bien avant le 7 février pour nous écarter Jovenel Moïse et pour nous conduire vers la demeure qui lui est réservée. Moi, c'est ingénieur Clark Lambert, porte-parole Alliance Peuple. Rassemblement militant PHTK commune Carrefour. RMPK rassemblement militant PHTK dans commune Carrefour a profité occasion ça pour nous saluer la presse parler et écrit, télévisé et en ligne pour bon travail a fait en dans pays. Avant tout n'a porté solidarité nous et c'est parti nous à toute frère d'accès nous qui touché en bas fléau ça qui c'est pandémie coronavirus là n'a tout profité pour nous dire tout haïtien pour pas négliger suivre conseil hygiène tousser dans coude pas sortir sans besoin marcher à cache-nez chaque laine gagnon urgence et puis pas oublier laver mais nous chaque laine saute en contact avec un monde ou bien manger un bagage quelconque. Et puis, en tant que haïtien, nous devons prendre bon gens, remède feuille naturelle pour renforcer le système immunitaire. Nous. Rassemblement militant PHTK commune Carrefour, réuni devant micro la presse parler, à caméra, jeudi, mardi 2 juin 2021. Rassemblement militant PHTK commune Carrefour, constaté, il y a un paquet de sensi. Zagoloray, Abolotio, qui foue Meo sous pouvoir peuple. Ça fait 3 années et 6 mois depuis le président Jovenel Moïse est arrivé sous pouvoir. En un pas jamais arrivé sous militant, qui te fait 20 mois de campagne avec 22 manifestations. À crise que nous prenons, nous traversons les barricades, nous débloquons la rue, nous faisons une bataille médiatique organisée, nous marchons pour la paix, faire promotion pour le dialogue. En pile nan mitan nous perdit. Gen nan nous qui mouri, gen nan nous qui al caché à cause nous tap défendre pouvoir ça. Depuis sous PM la Fontan arrivé sous PM Jout, toute décision k'ap pran ou pa jam en faveur bazio, organisation yo qui c'est véritable force pouvoir. C'est peut-être ça, nous même rassemblement militant PHTK nan commune Carrefour mandé ak président Jovenel Moïse pour kembe mot qui dit tirer ça c'est pour peuple là.
faut que nous jouions intégration nous parce que nous faisons partie des peuples. Tant que direction générale, collectivité territoriale, pressé, pour nous venir aider à atterrir avec promesse campagne et puis jouer bon gens et stabilité sociale et politique dans l'espace, tant que ONA, OAVCT, DGI, et mairie Kafou et Latrier. N'a profité faire un rappel pour tout Eli qui a dit c'est Eli qui remplaçait Eli pour nous dire en 2012 sous ancien président Michel Martelly c'est pas Eli qui t'a remplacé Eli c'est un privilège ça qui fait en pile dans yo t'est arrivé Eli en 2016 nous même rassemblement militant PHTK commune Kafou fois ça si revendication nous pas passé nous pas prêter bois croisé la guerre averti parti Kokobé si Kokobé a pas rebelle. Pour nous finir, nous avons dit pique comme marron, zanana coup pingouin, les arrivés, bail talon. Dans son mandat de la constitution liée, parce que l'été prend investiture le 7 février 2017, les gains pour le bout de 7 février 2022. Ces collectivités, par rapport avec le décret électoral là, nous avons dit qu'il faut que Maïssa rentre en fonction de tel jour à telle date que le mandat prend fin. C'est ça qui fait nous parler de collectivité, parce que nous pas quoi dans l'illégalité, même nous la constitution. Par rapport à COVID-19 là, l'élection n'est pas faite à temps, mais il faut que décision au prend. C'est ça que fait nous-mêmes nous demander pour le président trancher sous question cartel Mérillo qui est Maïssa Sao mandat au fini. Article 34-2 constitution dit que le ministre de pouvoir 7 février 2021, alors que le secrétaire général de l'État, lui-même le 7 février 2022, et même Jovenel Moïse 7 février 2022, position par rapport à l'élection. Répondez-moi. Constitution, l'article 34-2, dit Jovenel Moïse a supposé quitter le pouvoir 7 février 2021. Alors que le secrétaire OEA, lui-même dit 7 février 2022. Qui position nous va avoir? Bon, constitutionnel là, constitutionnellement parlant, le président a un mandat 5 ans. Mais par rapport à dire que l'électorat là, il est président de tel jour qu'il prend investiture de tel jour avec Daphne Philippe, même Jean-Paul Maïssao. C'est ça que fait nous-mêmes en tant que militants. L'élection était faite en 2015, il était envoyé, privé était venu faire en 2016, président était pour investir en 2017, 7 février 2017. Alors, de manière constitutionnellement, le président a 5 ans pour le faire jusqu'à 2022. C'est ça nous-mêmes, nous, ouais. Nous-mêmes, c'est nous qui avons contribué pour débattre le pouvoir. Surtout dans la commune Kafou. Et nous avons des magistrats, J.D. Douard. Il même dit que c'est lui qui remplace lui. Qui positionne nous sur ça? Bon, le président, c'est Maïssa, c'est droit pour dire que lui remplace lui. Mais Maïssa, qui est cité non là, il ne faut pas oublier, c'est lui pas remplacé lui, il a remplacé Yvon Jérôme en 2012. Et s'il a demandé pour que c'est lui remplace lui, mais lui-même, pour qui ça a été entré dans la transition 2012 à lui-même? Par rapport à ce mandat Yvon Jérôme qui était pris en fin, près de un ou bien deux années de ça, de cela. Mais nous-mêmes, en tant que militants PHTK, qui c'est racine président de la commune Kafou, nous demandons pour changement de cartel de fait. Parce que, il y a des gens qui sont là, ce n'est pas mission président qui vient de faire, parce qu'il y a des gens qui sont dans plusieurs tendances. Merci. Merci.